des cœurs bombardés. Regarde l'océan. Voyage, voyage. Je me suis réveillée et lui ai demandé s'il m'entendait. Ma voix était fluette, éteinte. Ma voix était presque inexistante. Ma voix défaillait. L'air me manquait. Il m'a répondu « Oui, je t'entends parfaitement. » Et j'ai dit « Je n'arrive pas à respirer. J'ai déjà utilisé la ventoline et pas d'effet. » Peur. Elle a compris que j'avais peur. C'était différent des fois précédentes, sa voix défaillait. On doit aller à l'hôpital, tout de suite. Oh,
La plus grande erreur des Russes, c'est qu'aujourd'hui nous n'avons pas conscience de l'essentiel. Nous ne sommes plus. Quand on ouvre le ventre à un poisson, il continue à gigoter comme s'il était vivant. Eh bien, c'est pareil pour les Russes, dans les magasins, les cafés, dans le métro, dans les rues. Ils semblent encore vivants, mais ils ne comprennent pas qu'ils sont déjà morts. Les villageois ne pouvaient plus cueillir leurs olives à cause du mur. C'est moi ou c'est compliqué? Même les Israéliens athées pensent que Dieu leur a promis la Palestine. Nous sommes unis. Hop là. Je coupe Jérusalem en deux. Merde. Je déclare la guerre. Oh, arrête. J'expulse un quartier. J'appelle l'ONU. Vous êtes bien à l'ONU. Veuillez patienter, nous allons prendre... Zone C, je fais ce que je veux. Je fais ce que je veux. Aucun peuple n'a vécu ce que nous avons vécu. Ségrégation aux États-Unis, expropriation des Palestiniens. C'est comment chez lui? Il habite seul? Et lui, comment il est? Depuis combien de temps nous sommes ici? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Il faut cultiver notre jardin. Alors, nous on n'est pas philosophes, mais ça nous semble quand même très clair ce que dit Voltaire. Il faut, nécessité, cultiver. On va cultiver, on comprend. Notre jardin, il faut avoir un jardin déjà. Et d'ailleurs, on a bien compris ces dernières années que c'était nécessaire d'avoir un jardin. Nous, on pense simplement que Voltaire nous dit qu'il faut jardiner. Qu'il faut mettre les mains dans la terre. Est-ce qu'on parle des limaces?
The origin of life occurs over 3 billion years ago. Saw you walking in the daytime on a storm that's all bad. So now my life's gone easy. To tell the truth, I don't dare mention all that in any couldn't focus on a thing. Michel, c'est quoi ton plus haut niveau d'effort de la journée? Une journée normale. Moi, aujourd'hui, c'était me lever. Hein. Moi, c'était m'endormir. À deux, on fait un joli couple. Mais Michel, tu vis comment avec ton désir au quotidien enfin... Réactiver le désir. Mmh. Vas-y, Michel. J'essaie... Je pense qu'on ne le canalise pas du tout de la même manière, donc ça m'intéresse. Enfin... J'essaye quotidiennement d'être dans une très grande intensité... de vie. Je fais en sorte de bien remplir mon quotidien d'une manière assez intense parce que je suis dans la deuxième partie du programme et faut plus traîner maintenant. Ouais. Ouais. Oh la grande folie que de dormir sans souci. Réveillez-vous les gens qui sont dormants. Réveillez-vous les gens qui sont dormants.